Mouvement ZAF, revendication et démocratie. La mouvement ZAF insiste sur la nécessité de destituer le Premier ministre Jean-Marc Berzic. Le pasteur Edouard Tsaham, membre de cette mouvance, a rappelé la lettre du professeur Albert Zaf adressée au président de la transition André Duen à ce sujet et qui n'a toujours pas de suite. La mouvance Zaf compte sur le président de la transition, compte à se conformer aux règles de la feuille de route qui évoque la mise en place du premier ministre de la transition, lequel est issu de sa propre mouvance. En ce qui concerne les élections, le pasteur Edouard Tsaham a rappelé que sa mouvance s'en tient toujours à son propre principe qui est de commencer la série d'élections par le scrutin constitutionnel. La mouvance ZAF constate en outre des irrégularités dans l'organisation des élections présidentielles actuelles. S'il faut absolument tenir ce scrutin présidentiel, la mouvance ZAF invite les autorités et entités compétentes dans la CES, la CENIT, la CI, le gouvernement ainsi que les candidats à réagir à cette constatation. Nombre de politiciens de la mouvance ZAF apportent leur soutien à leurs candidats respectifs en ce début de campagne électorale selon les constatations. Interrogés à ce sujet, ces politiciens ont répliqué qu'ils se conforment à la règle de la démocratie et que chacun est libre de ses propres actes, ce qui ne revient pas pour autant à dire que la mouvance ZAF fait l'objet de scissions.